filles, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va vlogger aujourd'hui. Thank you. Nous sommes à Expo. Alors Expo, c'est un endroit gigantesque ici dans lequel il y a à chaque fois des événements, plein de trucs qui se passent. Et donc là, je vais faire un petit tour ici dans le coin beauté puisque il y a une vente privée NYX. Waouh, il y a plein de trucs. Il y a plein de marques. Donc on va faire ça suffit les filles. OK. Bref, vous allez passer la journée avec nous, donc c'est parti, on va faire un petit tour et on va regarder un peu ce qu'il y a ici. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà on a cette palette. Oui les filles, alors on a cette palette ici à 14$ au lieu de 38. C'est là, les filles, attention, vous avez tout fait tomber. Attention, c'est la machiniste. Je regarde les couleurs. Bon, ok, elle est sympa, mais c'est pas non plus... ouais, ok. Alors, ici on a, vous voyez, c'est un kit comme ça, le Sugar Trip. Et dedans il y a plein de trucs. Alors c'est quoi ça? 1 pour 35. Ah ouh là, il coûtait 100. Il coûtait 100. Bon, je vais faire un peu le tour et je vais regarder ce que je vais prendre. J'aurais dû regarder la référence des lipsticks que j'ai à la maison, mais bon, tant pis. Vous avez vu les filles, j'étais très sage, je n'ai rien acheté. Ok, on va continuer. Donc là on est dans le coin. C'est bizarre, il n'y a pas de lumière. Ah voilà. Si on va continuer, on va se rendre dans le hall voyage. Et ça, cette ville, Zhangjiajie. Ok, donc en gros, Zhangjiajie, c'est en Chine. La vidéo arrive bientôt. Et vous verrez que c'est magnifique. C'est une ville qui a inspiré les paysages qui sont dans Avatar. La deuxième personne en 1499. Maroc, la Grèce, Amsterdam, Londres, Dubaï. Bref, il y a plein de tours. Enfin, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ah, ça, on y est allé, les filles. Si vous avez vu le... Les filles, vous vous souvenez ou pas? On est allé ici, au Japon. Vous vous rappelez ou pas, Rania, Mariam? C'est où, ça? Où, ça? Dromadaire, oui. Les filles, elles sont à fond dans les dromadaires. Ah, c'est en Chine, ça clique. C'est en Chine, c'est vrai? Ah, enfin, en même temps, la Chine, c'est tellement grand. C'est en Chine, ma chérie. China. Ça. Le Maroc, Casablanca, ça c'est la mosquée du roi, les filles. Hop. L'Égypte, ça on a fait. La Turquie, on a fait. Mais franchement, l'Égypte, oui, moi aussi j'aimerais bien, Rania. L'Égypte, on aimerait bien le refaire avec les filles, mais on ne refera pas tant qu'on est ici. Parce que c'est juste hors de prix, mais franchement, l'Égypte, c'est magnifique. Hein. Ah, voilà, avec la Jordanie, Israël, bref, un combiné. Oui, ma chérie. Ta-da-da-da. Regardez la muraille de Chine. J'ai un truc à vous raconter sur la muraille de Chine, mais je ferai une vidéo spécialement. Voilà, ça c'est Zhangjiajie. C'est magnifique. Donc ça, ce sont les paysages qui ont inspiré le film Avatar dont je vais vous parler. Et c'est vraiment comme ça. Sauf que nous, il y avait la neige en plus. Donc vous verrez dans le vlog qui arrive très vite. J'ai pris ça ici. C'est l'Indonésie. Il y a Haroun qui est en train de dormir. Bah voilà, comme l'Indonésie c'est juste à côté, du coup, ben, c'est vrai que c'est une destination pas chère. On a fait Lombok, Gili, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Central Java, la vidéo elle est Yogyakarta, la vidéo elle est sur YouTube. Bali on l'a fait aussi, il y a longtemps, avant d'avoir les filles. Donc voilà, du coup on regarde un peu, et à Bornéo ça nous intéressait, mais je sais pas franchement. Bref, donc voilà, on a pris ça. Waouh. C'est un déguisement, Rania. C'est un déguisement, c'est une madame. C'est juste un déguisement. Faut pas avoir peur, regarde monsieur. Vas-y. So, this is Indonesian? Yes. Indonesian. This is a traditional... From Kalimantan. Kali? Kalimantan. Kalimantan. Yes. Oh, Kalimantan. Where is Kalimantan? Ah, ok. Wow. Ok, donc ça, ce sont des costumes d'une région. Wow. C'est magnifique. On va goûter au café indonésien. Coffee, I want to drink coffee. No, you cannot drink coffee, Mariam. Rania, tu es trop petite. Single origin and then this. Le café, il est là, direction l'Europe. Venez les filles, on va en Europe, c'est par ici. Wouhou! Enfin, Notre-Dame.
Ça fait pas très, pas très Europe, hein, ça. Ma tenue. Vas-y, mais tu peux me filmer vite fait la tenue. C'est en mode vlog, donc tu viens vers moi. En échange de quoi? Je sais pas, on va voir. Ok. Ok, donc voilà. Ce foulard vient de chez Mistura. Mistura. Pop look. Pop look. Pop look. Pop look. Attends. Ok. 1, 2, 3. Hop. Pop look. Oh my god. Ok. Donc le haut, il vient de chez Pop look. La jupe aussi. Et les baskets, elles viennent de chez Stradivarius. Je les ai eues pour genre. Moins de 10 euros, je crois, ici à Singapour. Voilà. La jupe, elle est en coton. Tu peux remonter, s'il te plaît. Merci. La jupe, elle est en coton. Et tu peux filmer ma tête. Hello. C'est beaucoup, pas trop. Hein? Vite, beaucoup. Ok, donc en gros, je trouvais que le mariage, kaki et crème, ça suivait bien. Et voilà, bah écoutez. Personnellement, j'ai jamais volé en business class, mais aujourd'hui on a décidé de voler en business class. Can I try? Business class de Singapore Airlines. Donc voilà, Singapore Airlines, ça c'est la business class. Donc, this is the same, but. Yes, it's the same. This is the seatmo and this is the bed. Ok, vous avez le siège comme ça. Bon, les petites pantoufles qui sont données, ouais, c'est super à l'aise, hein, franchement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ben. Je sais pas qu'est-ce qu'on a ici. How do you open this? Ah, ok. Ah, ok, donc voilà, vous avez la petite table là. Ok. Cannot open, ok. Yeah, it's very nice. Vous imaginez voyager comme ça, c'est génial. Et ça, c'est quand c'est fermé. Voilà, fermé, ouvert. Moi, franchement, ça me dérange pas de passer ma vie dans l'avion si je voyage comme ça. Entre au salon nourriture, snack. Donc on va faire un petit peu le tour et je vois que ma batterie clignote et je pense que je n'ai même pas pris la batterie de rechange. Donc voilà. Let's go. Oh, c'est ça. Ah, mais je m'attendais pas du tout à ça. Oui, on y est. Tu savais que c'était ça? Non, moi je pensais que c'était des snacks cuits. Mais pas du tout, c'est pas des snacks cuits, c'est voilà, c'est des snacks emballés quoi. C'est prendre pour les filles sandwich au thon. Voilà. Et on est rentré. On a rangé les affaires, on a préparé le sac. Et voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Bon, je pense qu'il y a tout. Et donc on s'en va là, on s'en va. Donc du coup, je me suis changée. Comme ça, ben, ça me permet de faire la deuxième photo pour mon Instagram. Donc pop look. Vous voyez le jean? Jean super, super à l'aise. Donc du coup, moi c'est ce que je fais en général le week-end quand j'ai des tenues à prendre en photo. Ben, je m'arrange pour les porter le samedi dimanche. Comme ça, ben, mon mari peut me prendre en photo et c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Il y a du wifi gratuit dans le bus. Franchement, Singapour c'est dingue parce qu'il y a du wifi quasiment partout, dans les stations de métro. Là, dans beaucoup de bus comme celui-ci par exemple. La plupart des centres commerciaux. Donc du coup franchement ben il y a du wifi un peu partout et c'est super pratique je trouve. Outfit number 2 de la journée. Donc ça c'est une chemise qui vient de chez Uniqlo. Ah, ils vont être contents puisque je vais les taguer. Oui, parce qu'en gros Uniqlo de Singapour, ils ont capté que j'achetais beaucoup chez eux et donc ils m'ont contacté en me disant ah, on a remarqué que vous nous taguez à chaque fois et que vous achetez beaucoup chez nous. Donc du coup maintenant donc quand il y a des événements, ils m'invitent et quand il y a des choses à tester, je reçois aussi. Donc là dernièrement j'ai reçu sur Snapchat, j'avais posté des pyjamas My Little Pony. Bon bref. C'est là, c'est ici chez Khalti, vas-y. Ok. Donc ça c'est le jean de chez Pop Look. Oui, on voit ton ventre. Ah c'est vrai. Ok, donc voilà. C'est un taille haute. Et il est super à l'aise franchement. Voilà. Le voile, c'est celui de chez Asma je crois. Asma. Je crois que c'est ton foulard. Attendez, on va vérifier ça. Mais il me semble que c'est celui de chez Asma Fares. Oh non, j'ai enlevé l'étiquette ou quoi? Mais il me semble que c'est celui de chez Asma Fares. Et voilà, voilà, regardez, vraiment une tenue toute simple. Les tongs, elles viennent aussi de chez Pop Look. Et voilà. Allez, on y va. J'entends rien parce que j'ai un bonnet. Oh my god, ça craint.
Donc ça c'est le burkini de chez Madame Isa. Alors, on voit les fesses. Comme ça vous allez bien le voir. Hein. Et avec celui de chez Madame Becca, ceux de Madame Becca je les trouve quand même beaucoup plus beaux. Là le design il est... Bon, le haut ça va, le pantalon bof. Mais le tissu, celui de Madame Becca est quand même beaucoup, 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 beaucoup mieux niveau qualité. Après bon c'est pas le même prix. Voilà, ok. Aïe, ouh là là, je me suis fait mal, voilà. Je mets toujours ça moi en dessous le bonnet de chez Decathlon. Comme ça, bah écoutez, j'ai pas lavé mes cheveux. Et je mets le bonnet du burkini par dessus. Je suis crevée mais c'était super bien, on s'est bien amusé là avec les filles et tout. Haroun il est en train de dormir donc du coup c'était juste top top top. Voilà, on va prendre la douche et on va faire un café. Si on ramène les enfants au playground après la piscine, on a pris un petit goûter. Et là, elles vont s'amuser un petit peu. Yes, it's, I like it. Coucou, donc j'ai trouvé cette vaisselle ici, vous voyez, ça fait très indien. Souvent, ils mettent les currys dans ça. Donc j'en ai pris trois. Trois comme ça. Curcuma, il me faut du curcuma. Voilà, j'en ai plus. C'est tout, je pense que... voilà, je prends ça. Le dîner, ben, chapati. Chapati et un curry. So it's only chicken or there is some vegetable inside? Only chicken. Voilà. Ask them, in December it gets cold. Okay. So for them it's good to come here. So I said to them, oh, December, January, we should call them to ask. Yeah, if she come, I will ask her to show me, you know, what's the plate that she... Biryani? Biryani, yes. C'est so good. Her biryani was spicy but good. Ça sent trop bon. Ok, voilà, il est temps de conclure ce vlog. On attend le bus pour rentrer. J'espère en tout cas que ces petits moments avec nous vous auront plu. Je suis crevée et vous voyez tout mon noir a coulé, mais c'est pas grave. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Hello.